aujourd'hui, nous allons monter un Lego à partir du plan que vous pouvez voir ici. Donc, je vais sortir les pièces qu'on a besoin. Ça devrait pas être trop long, juste les trouver. En voici deux. On va continuer avec de plus gros morceaux. Puis, on les attache dessus. Je vais essayer de me rendre le plus loin dans le menu déroulant. Il y en a beaucoup de plus simple si on veut, mais j'ai pris celui que j'avais les pièces. Parce que des fois on perd les pièces et c'est pas toujours facile. Donc on continue. Je vais choisir un autre Lego de l'autre direction. Donc par ici. On tourne la page. Il y a du monde qui essaie de la faire par cœur, mais je trouve que c'est toujours un bon moyen de regarder le plan quand on n'est pas sûr. Ça nous donne des indices sur comment on peut améliorer notre structure, mais là c'est déjà monté, donc il n'y a pas grand chose à améliorer. Je continue ici. Ça devrait être une coche. Le bruit que ça fait, ça veut dire que je suis en train de chercher dans la boîte, comme vous pouvez voir ici. Je cherche dans la boîte. Il y en a un autre ici. On les trouve tous. Là, je dois en avoir deux séparés. Ok, celui-là ici. On continue à chercher. On continue à chercher. On peut même aller au-dessus. Comme vous voyez, il y a une instruction pour aller au-dessus. On va chercher la bonne pièce manquante. Si vous voyez les cercles, ici, il y en a 5. L'autre qui demande, il y en a 7. 7, je pense bien que oui. OK. Avant de le définir, il nous faut un gros bloc que j'ai entre mes mains. Donc ici. On l'attache. On continue. Comme ceci. On continue. Donc j'en ai retrouvé un autre. C'est bien ça, oui. Ok. Un 2 sur un 6. On continue. Il y a des petites tuiles grises qu'on peut aller chercher. Pour l'instant, vous voyez, j'ai déjà avancé le modèle un peu. Je vais aller chercher tout de suite. Il y a du monde qui aime ça, c'est éparpillé, mais comme je suis assez haut au niveau du plancher, c'est pas une bonne idée. Si vous comprenez mon aspect moral de la chose, c'est déjà bon. On continue. J'essaie de descendre vers le bas. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Non, ce n'est pas la bonne pièce. Il y a des pièces qui se ressemblent, faut attention. Telles cachées. Elles ne semblent pas de loin. Ok. On continue. Ah, j'en ai trouvé un. Et de un. Le deuxième, et oui, le deuxième, on les a tous. Ok, on va mettre ce qui manque ici. On continue.
sont vraiment, vraiment petits. Donc, c'est plus dur à chercher. Je vais le faire en temps réel. J'aurais pu faire des modifications à la vidéo, mais je pense que c'est important de juste comprendre que ça demande un certain temps. Si aussi on n'est pas habitué, commencer au niveau intermédiaire, c'est pas la meilleure des idées. Je vais en trouver un. Et là, à cause de la gravité, tous les morceaux tombent vers le côté. On continue ici. Non, pas nécessairement. On continue. Ça se promène vraiment partout dans la boîte. Bon. Ici, on a un lightsaber. S'il y a du monde qui connaissent les sabres laser, May the Force be with you. Il y en a plein. Juste continuer. Ah ah, je l'ai trouvé. Ok. On tourne la page. Bon. Là, c'est des grosses pièces. Il en demande 3. Non, il en demande 2. Ça veut dire que les autres, c'est le milieu qu'on connecte juste ici. En voilà. Je peux rapprocher si vous voyez mal. Ici, on a le milieu. On continue. Avec une autre pièce, ici. Juste mettre sur la cotoir. Et voilà. Ensuite, on va chercher d'autres pièces. Comme ici. Une autre pièce. On a fini. On continue sur l'autre page. L'autre page demande des pièces triangulaires. Triangulaire veut dire trois côtés. Mais, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment un triangle, c'est plus un quadrilatère. C'est juste qu'il y a, il y a le début de la forme d'un triangle. Donc, si on voit bien, ça devrait être pas trop loin. Tu le lèves en avant, je sais. Et d'un autre. Et d'un autre. Et on descend ici. Ici un autre. Ici un autre. Faut que ça coïncide. Quand ça coïncide, on dit que les pièces sont en même point par point. Donc, je l'ai coïncidé avec les 4 points. On a acheté l'autre fois. On continue ici. Mais pas que le plat tombe sur le planchage, ça va être long à ramasser. On tourne la page. On met normal, si je comprends. Ouais, c'est le plat. On a besoin de matériel. Et on va avoir l'un de plus de comme vous voyez. L'autre, celui-là, vous voyez, va dans le triangle. Ici. Et voilà. Et celui-là, ici, voilà. Ensuite, on continue. Avec quoi? Si je comprends bien les deux. Et de
Oh, c'est... Le bois, qu'est-ce qu'on met? Le bon endroit. Juste... Quand je veux... Défense! Des armes. Trouve des... Faut que ça aille assez juste. Mais là, c'est assez. Plus vite. C'est compliqué. J'ai trouvé un. J'en ai... J'ai... Bon, le code. Est-ce qu'il est seul? Ensuite, il y a des... C'est... Oui, un lisse. Alors voilà, on continue. Comme ça. C'est le dos. Pour l'instant, il y a la forme entre le fuselage. Ils m'ont envoyé à avoir une cabine, donc juste, et à les avoir. Si vous voyez dessous, ça ressemble vraiment à la forme de rond. Pas des. J'ai le deux zoomés si vous voulez voir. 3 sur le plan. Je peux voir. Vous voyez un peu la version 3D. Juste ici. Forme. Donc, on dézoome. Ok. On en revient sur le bench. Donc, le pan de. On pourrait dire le banc de réparation, ce serait drôle. Mais c'est vraiment juste un terme pour dire que c'est l'endroit où on le construit. Je pense que je m'approche de quelque chose. Ça ne devrait pas être trop long. En général, c'est rare que je prends des pièces. Donc, ça veut dire qu'il est bien caché à quelque part. Bon, on ne l'a pas trouvé. On peut tourner la page en attendant. Si on le trouve, ça va être génial. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Les petites ailes. Les petites ailes ont besoin de triangles bleus, si on veut. Des genres de formes triangulaires. En voilà un autre. Puis on a besoin de l'attacher à des pincées. Des pinces. Donc, on continue. En voici une. Est-ce qu'on a la deuxième proche? Pas si proche que ça. On va continuer. Et vous, on est trouvé. Il était à terre. Ici, voilà, j'en ai deux. Je ne sais pas dans cet objet. On n'utiliserait pas ici. Situation. Et voilà. Donc, on accroche. On accroche. On accroche. On accroche. Ensuite, on peut pivoter. Excusez-moi, j'ai enlevé la pièce. On pivote, comme ça. Pour continuer, on va avoir besoin de matériel nécessaire. Comme, si je comprends bien, les perforés. Perforé veut dire qu'il y a un trou dedans, si vous vous demandez. Bon, et voilà, perforé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On trouve les encoches. C'est des pièces qui sont faites pour soutenir le modèle. Ok. Une encoche à la fois, et voilà. Ici. Est-ce qu'on a les autres plans à portée de vue? On a celui-là, ici.
ici aussi. Là, on a besoin des éléments noirs. Bon, ça va être sans aileron, on continue. C'est des ailerons supplémentaires, donc c'est pas le gros hic. Comme vous voyez, je vais juste vous montrer comment ça a l'air du résultat. On va s'arrêter là. J'ai fait beaucoup de petits ajustements. Vous voyez, ici on a les réacteurs. Donc, si j'avance, on voit les réacteurs, la lumière qui mène le feu. Ensuite, on voit les plans détaillés, la coque. Et le hic du dessous, c'est pour soutenir le matériel sans qu'il touche le sol. Donc, et voilà. See ya.